Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller chercher les emplacements des Omnipus au Daily Bugle. Je peux pas faire plus attendre, donc on se dit à tout de suite. Nous revoilà, on va sauter. Voilà. Bon, normalement, c'est tout le Daily Bugle. On devrait facilement trouver des Omnipus. Puis honnêtement, on gagne 3 Omnipus par semaine. Et je pense pas qu'on a une tonne de villes avec plein d'emplacements avec des omnibus. Hein. Là, c'est quand même la semaine 4. J'ai fait 12 villes, je crois qu'on a épuisé tous les stocks de villes. Hein. Je pense qu'ils vont refaire plusieurs fois. Ou ils vont trouver autre chose pour nous donner des omnibus. Déjà, il y a les quêtes. Ça se trouve, ça donnera plus 3 omnibus, mais 6 à chaque quête. Ce sera assez cool. Bon, revenons à nos omnibus à trouver. Ils sont tous assez faciles à trouver ici, hein, c'est tout petit. Déjà, on a la première omnibus là. Voilà. Je prends le coffre au cas où si je me fais tirer dessus. C'est toujours pratique. Hop. Hop. Alors, je vais faire mon Yamakasi. Hop, voilà. Caché où leur omnibus. On va creuser jusqu'à qu'on tombe dessus. Le claque ça peut être. Il n'y a rien ici, alors on descend. Je crois que je suis tombé sur un coffre. Bon ça je vais pas utiliser maintenant. Rien on va creuser. Toujours rien. Je regarde ici. Oh, toujours aucune trace d'omnibus. On va continuer à creuser. Ça se trouve, il y a mon cacheur au rez-de-chaussée. Hein. Je suis en train de détruire des milliers de bâtiments pour rien. Des milliers de sol. Il y a peut-être une cachette en dessous. Ah là. Bah, ici, il était bien au rez-de-chaussée. Voilà, ça nous fait deux omnibus. On va chercher la troisième. Et sans oublier la monnaie Yamakasi évidemment. C'est la meilleure mode du jeu, la monnaie Yamakasi. Voilà, et si on me dit qu'il est impossible à trouver. Hein. Bon, on va utiliser le monnaie Yamakasi. Il suffit juste que j'arrive à toucher une toile. Un tank des 7. C'est pas grave, je vais monter par ici. C'est vrai que pour ce mode là, je conseillerais d'avoir le mode de construction. Pas le mode sans construction, c'est vachement plus pratique. Moi j'aime bien faire du sans construction, c'est pour ça. Voilà, la troisième. Cette arnaque. Bon, sinon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à plus pour un prochain clair génie.